Si un homme tombe, dit l'Écriture, un autre le soutient. Mais malheur à l'homme seul, car lorsqu'il sera tombé, il n'y aura personne pour le relever. Il y a de l'espoir pour celui qui demeure dans la lumière des vivants. Secouru par le savant, il relèvera la terre. Ici, l'écho répète les grands noms de la médecine. Pasteur, Ehrlich, Lester, Curie. Combien de maladies que l'on croyait incurables. Le diabète, il y a 30 ans, c'était une mort lente. Mais alors, à Toronto, Banting et Best trouvent un traitement, l'insuline. Le tétanos, hier le tétanos tuait, mais Kitasato, un japonais, trouve le remède. L'anémie pernicieuse, jadis, signifiait une mort certaine, mais de Boston vinrent les découvertes de Minot, de Murphy et de Whipple. Forte des victoires déjà remportées, la science se retourne contre l'adversaire le plus formidable qui reste encore en lice. Une simple lamelle que trois hommes scrutent. Une photographie de tissu humain. Some of my colleagues would like to have a look at you. Now, this is Dr. McVicker and Dr. Rome. Matter of fact, we've just been having a look at a slide of your specimen. These gentlemen are research scientists. Oh, will you put your hat and coat on the chair, please? Voici un homme dont l'organisme est miné par un mal étrange. Mais avant toute chose, le corps même de cet homme, comment s'est-il formé? Au commencement, l'œuf humain est fécondé. C'est toute une vie dans une tête d'épingle. C'est une cellule. Avec un potentiel, celui de croître. De croître en se divisant. D'un à deux. De deux à quatre. Par le processus fondamental de la vie, la mitose. 4, 8, 16, et cela jusqu'à l'infini. Suivant sa prédestination, la cellule se transforme en embryon. Dans l'embryon qui croît, les cellules se différencient. Septième semaine, et l'embryon se compose déjà de millions de cellules, groupées selon leur caractère. Celle-ci pour la main. Celle-ci pour les yeux. D'autres se muent de cœur fœtal en cœur adulte. Et
et de l'embryon, l'adulte enfin émerge. Il est un composé de milliards de cellules, groupées en des systèmes qui lui permettent de vivre, de travailler, de procréer. Ce sont les muscles, les os, le délicat réseau des vaisseaux sanguins, les veines, les artères, les muscles infatigables du cœur, les villosités intestinales qui absorbent les aliments, les cellules du foie qui emmagasinent le sucre, ainsi, et par tant d'autres procédés secrets et merveilleux, croissent les cellules. L'homme, une entité vivante, harmonieuse, atteint sa frontière invisible, celle où ses cellules arrêtent de croître. Et si elles ne s'arrêtent pas, si pour une obscure raison leur croissance reprend, sans frein ni loi, si elles se divisent à nouveau, alors, trahissant l'organisme dont elles font partie, elles croissent au-delà de toute normale, comprimant les tissus et les organes sains, elles croissent. Elles s'infiltrent dans tout l'organisme où elles établissent leurs colonies malignes. Elles croissent aveuglément, saccageant les fonctions vitales de l'organisme. C'est le cancer. One of the most curable of all cancers. No pain at all, Mr. Davis? No. Mr. Davis is one of the lucky ones. 90 chances out of 100 will cure it. Thank you, Mr. Davis. Very satisfying, sir, if you can. The treatments will begin immediately, Mr. Davis. Okay, Doctor. Thank you. Don't worry now. Hello. Are you chaps going back to the lab? Yes, I am. Well, thanks for coming in. Right. Goodbye, Ross. Goodbye, Rom. Pourquoi le problème du cancer demeure-t-il si obscur? Cette cellule ne veut pas s'arrêter de croître, ceci nous le savons, mais pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver la cause? Les plus grands cerveaux du monde entier travaillent à la solution du problème. Mais pourquoi est-ce si long? Pourquoi la réponse nous échappe-t-elle? Parce que cette cellule infime, cette unité microscopique, c'est un univers à explorer. La science s'enfonce dans cet univers, dans ces espaces infinitésimaux où elle découvre des constellations dont elle dresse la carte aux noms étranges. Le centrosome. Les mitochondries. Le réseau de Golgi. Le cytoplasme. Le nucléus ou noyau de la cellule. Les chromosomes. Le nucléole. Carte d'une astronomie en miniature qu'il a fallu des années pour dresser. Ce sont des mondes frémissants, en gravitation dans chaque cellule,
et il y a des millions de cellules dans le corps humain. Une tête d'épingle qui est un univers. C'est là que gisent le mystère de la vie et l'énigme du cancer. En vase clos, une particule de chair se survit. Le temps impose un terme à tout être vivant. La vie à tous est limitée. 10 ans, 20 ans, 50, 60. Mais un fragment de sa chair peut survivre à l'animal, survivre et croître. De nos jours, un point fondamental de l'étude du cancer est l'expérience sur des tissus vivants, sur des tissus normaux aussi bien que anormaux. Dans bien des cas, les cellules cancéreuses croissent dans leur prison de verre sans rien perdre de leur malignité. Greffées sur l'animal approprié, elles le tueraient. Mais ces fragments privés de leur organisme nourricier, il faut pour les élever et pour les nourrir une technique rigoureuse. Ils requièrent pour survivre des précautions infinies. Il faut les alimenter même en atmosphère stérile. Il faut les pourvoir régulièrement de solutions vivifiantes. De cette façon, tissus sains ou tissus cancéreux peuvent, selon le besoin, être conservés. Ces tissus peuvent aussi croître dans des œufs, mais toujours sous conditions déterminées. Les cellules cancéreuses sont injectées dans des œufs fécondés. Elles y croissent, se nourrissent de l'embryon. Les animaux de laboratoire peuvent également servir de terrain de culture pour les tissus cancéreux. Les appareils peuvent ici paraître simples, les techniques sembler élémentaires, mais il a fallu des années et des années pour les mettre au point. Des centaines d'échantillons, des milliers d'heures. Pour bien des raisons, les chercheurs préfèrent expérimenter avec des tissus prélevés sur l'animal. Comment réagissent-ils aux divers produits chimiques, aux changements d'alimentation? Quelle est la différence entre un tissu normal et un tissu cancéreux? Point d'interrogation à l'infini. Le taux de croissance peut être mesuré et consigné étape par étape comme les anneaux d'un tronc d'arbre. Et dans chaque cellule de cette masse vivante et croissante reposent à la fois le défi et la riposte. Chaque cellule possède un noyau et un centrosome. Enfermés dans le noyau se trouvent les éléments minuscules qui régissent l'hérédité. Les chromosomes qui transmettent à la cellule fille les caractères de la cellule mère. Lorsque l'instant fatidique arrive, le corps astral se divise. Les chromosomes enlacés se dédoublent, se séparent. Ce qui n'était qu'un devient deux avec un héritage commun. What you think of when you think of a hero, Kay? But you're looking at one right now, the most important factor in our experiments. Jerry killed Mouse. This mouse is pretty special. We can learn a lot of things from him and the other mice in my lab down the hall. For example, why you got to be so much like your mother. Come on around the other side of the desk. I got something in this cage I want to show you. Some baby mice. Here, what do you think of these? Ces jeunes souris ont un arbre généalogique que nul homme ne possède. D'une génération à l'autre, frères et sœurs ont été accouplés au point qu'on peut prévoir presque absolument les caractéristiques familiales de chacune d'elles.
À coup sûr, ces souris auront le cancer. Puis 9 sur 10 de leurs rejetons l'auront, et ainsi de suite. Well, he's a friendly little fellow, isn't he? Yes, isn't he? And likes me. He certainly does. Et pourtant, il est possible de faire naître une souris très peu disposée au cancer. Yes, I think we better be getting along. Now, let's see now. Mais les hommes. I think you will, Joe. Pour l'homme, rien de précis n'est établi sur l'hérédité du cancer d'une génération à l'autre. Pour le chercheur, l'étude de la génétique, c'est l'exploration de toute la gamme de la vie, de l'amibe jusqu'au cobaye, de la souris jusqu'aux possibles applications à l'homme. Quand la science pourra dire avec certitude quel rôle les facteurs génétiques jouent dans le cancer chez les humains, ce jour-là, nous aurons atteint un sommet. Les expériences sur les souris, pour être concluantes, demandent des années d'études. Mais il ne faut que quelques semaines pour suivre le cycle de vie de la drosophile, la mouche des fruits. En 10 mois, le savant peut observer près de 30 générations. Il a scruté le mécanisme de l'hérédité et a trouvé que les chromosomes qui transmettent l'hérédité peuvent être modifiés par des forces extérieures à la cellule. On peut placer une mouche normale sous un bombardement de rayons X. Ces rayons frappent à la manière d'un marteau électrique, ce qui peut modifier les chromosomes si profondément que les générations suivantes produiront de nouvelles et diverses variations. Espèces mutantes, créatures aux ailes atrophiées, monstres. Et ces variations peuvent apparaître chez des animaux divers, chez les souris par exemple, souris culbutantes, souris tournoyantes. Ces caractères acquis peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. Le cancer est-il causé par une altération des chromosomes ? Le monde de la cellule est un prodigieux complexe qui répond à toutes les exigences de la vie et de la croissance. Il respire, il se nourrit, il transforme, il fabrique, il se divise, il se combine. Prodigieux complexe de la vie et de la croissance. Les fonctions vitales de la cellule normale et de la cellule cancéreuse sont-elles analogues? Nous le savions, pourrions-nous enrayer l'engrenage de la cellule cancéreuse? Dans ces tubes en verre se trouve du tissu cancéreux prélevé sur un rat. Les cellules cancéreuses respirent sous l'œil du savant qui analyse les gaz inspirés et expirés. De grandes recherches qui se poursuivent dans les laboratoires du monde entier, recherches sur les processus de la vie dans les cellules vivantes, cellules normales et cellules cancéreuses. De la patience, du temps, de la ténacité, ce n'est pas sans peine qu'on accède au pourquoi des choses, à la connaissance,
à la compréhension, aux réponses claires. Il n'y a pas de réponse facile aux grandes et déconcertantes questions. Un corps étranger peut-il envahir la cellule et en changer le comportement ? Commençons à saisir la relation entre le milieu ambiant et l'apparition du cancer. Les chercheurs, pour rassembler ce gigantesque puzzle, fouillent le passé des malades connus. Ils suivent une piste. Nous avons constaté, par exemple, que ceux qui passent leur vie en plein air, constamment exposés aux rayons du soleil, sont prédisposés au cancer de la peau plus que ceux qui travaillent à l'intérieur. Mais il y a des exceptions. Pourquoi? Quand nous aurons assez d'indices, nous pourrons établir des mesures de prévention. Mais il nous faut des faits recueillis avec soin, des faits ordonnés, des études statistiques que nous puissions analyser et comparer. Toute piste prometteuse est relevée. Les types de familles, l'histoire des métiers. Un millier de cas révélera-t-il un facteur commun? Certains cancers sont-ils plus fréquents dans certaines industries? Une tendance s'affirme-t-elle? Des statistiques, c'est un peu de lumière sur le mystère. Certains cancers sont-ils plus fréquents chez les hommes que chez les femmes? Des statistiques, ce sont des faits à étudier. Y a-t-il quelque chose dans notre labeur quotidien qui déclenche le cancer? La science interroge tous les suspects. Échantillons recueillis dans des centaines d'endroits pour détecter à la fin l'élément meurtrier. Que de progrès depuis 1918, date où des savants japonais firent naître une tumeur en enduisant de goudron l'oreille d'un lapin. Depuis cette époque, les savants ont découvert des centaines de composés susceptibles de provoquer le cancer, et ils ont assemblé des modèles de leur structure moléculaire. Appliquée à la vie quotidienne, la recherche sur les effets des produits chimiques usuels aidera peut-être à prévenir le cancer. Mais d'autres questions se posent à la science. Comment et pourquoi les produits chimiques provoquent-ils le cancer? Quelle action exerce-t-il sur la cellule? Questions auxquelles il faut répondre. Et les réponses apparaissent. Grâce à cette recherche obstinée, un homme peut envisager le traitement avec confiance. Bien des choses sont possibles aujourd'hui qui ne l'étaient pas il y a quelques années. Chaque jour qui se lève apporte son progrès. Dans les laboratoires, derrière les murs de l'hôpital, des outils plus précis forgent des armes qu'on espère plus efficaces. L'exploration des champs anciens et nouveaux se poursuit. Traitement par le radium, labeur patient de découverte et de perfectionnement. Tube minuscule, milligrammes de radium appliqués à la tumeur cancéreuse, dosage du radium, sa quantité et sa force encore minutieusement étudiés. Les isotopes radioactifs, l'énergie atomique mise au service de l'humanité. Certains cancers, celui de la thyroïde par exemple, semble reculer devant cette nouvelle technique. Le compteur Geiger,
dont le crépitement électrique, par son intensité, indique et mesure les éléments radioactifs errant à travers l'organisme. L'iode, le carbone, le sodium, le phosphore radioactif, nouveaux noms autour desquels la recherche s'affaire. Sur ce fonds d'acquisition vient s'appuyer le traitement du cancéreux. Dans le domaine de la radiothérapie, des appareils à très haut voltage donnent des radiations plus efficaces et plus pénétrantes. Précision, attention, épreuve et contre-épreuve. I'm just going to position this machine and bring the cone right down till it's resting on your cheek. Can you tell me if this is too tight, Mr. Davis? Monsieur Davis guérira. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Il y a des cancers sournois dont les symptômes se révèlent tard, qui ne font pas souffrir tout d'abord, qui se tapissent dans l'organisme. Et pourtant, de jour en jour, la chirurgie les traque plus avant et suscite l'espoir. La majorité des cancéreux qui se présenteront cette année recevront un traitement efficace. Mais il faut déceler le cancer à temps. C'est pourquoi, avec opiniâtreté, la science cherche le moyen sûr, le test qui dépistera le cancer alors qu'il est encore curable. Good evening right away. Kids in bed? He did. Oh, well, I'll put a band-aid on it. He'll be all right in the morning. Mm-hmm. What bill? I paid that bill at the beginning of the month, sure. C'est 20 années d'études qu'il faut à un homme depuis sa première leçon pour devenir un savant. C'est un homme comme les autres, mais dont l'intelligence a été mobilisée et l'imagination aiguisée. Il s'est enrichi aux vastes réserves du trésor scientifique mondial. En lui, fermente inlassablement un problème. Heureux qui peut savoir le pourquoi des choses. Il y a de ces hommes partout dans le monde, à Montréal, à Washington, à New York, à Paris, à Londres, à Rome, à Genève, à Stockholm. Qu'est-ce donc que l'homme pour que tu te penches ainsi sur lui? Voici qu'un défi a été lancé et relevé. Obscure recherche d'un rayon de lumière qui peut jaillir de n'importe où, de l'œil à facettes d'une mouche ou de la radicelle d'une plante, car le cancer s'attaque à toute vie, aveuglément. Sur cette table, sur cette autre, dans ce laboratoire, dans cet autre, partout où on cherche une réponse. De jour en jour, vers le progrès. C'est à travers le monde entier la poursuite d'une idée, l'échange de connaissances nouvelles. Quelle aube jettera la lumière sur ce problème ? Quelle aube et quelle génération pour ce problème si vaste de la vie.
Contre le cancer, l'état de siège est déclaré. Savants, professeurs, étudiants, tous hautement qualifiés et munis de toute la science et des techniques du XXe siècle, s'attaquent au problème. La découverte ne sera pas l'œuvre d'un homme seul. Au jour final, les conquêtes et les échecs même d'autres savants leur feront cortège. Et quand enfin la réponse jaillira, ils se seront aventurés très loin dans le labyrinthe d'un univers. We come again this morning to our discussion of the self. We continue to turn to it, inevitably. Doing so, I would ask you to bear in mind that we're dealing here with an enormous problem. The problem of life itself. Can we have the projection, please? La cellule. C'est un champ de bataille où la science avance vers la victoire.